Bonjour mes petites, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est là pour une nouvelle vidéo qui est sur mes achats du mois de juin. Ça pue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 livres à vous présenter ici. Du coup on va pas traîner. Je suis pas sûre de faire de résumé, mais voilà. J'ai un peu trop craqué. Du coup, voilà, on va tout présenter tout de suite. Je l'ai reçu hier, du coup, voilà, c'est N'importe où avec toi de Floria Bousseau, voilà, chez enfin voilà. Je suis pas fan de la couverture, enfin l'image est belle, mais je suis pas fan de ceci. Du coup j'ai un doute, voilà, mais je vais le lire quand même, hein, mais voilà. Du coup voilà, je ne sais plus de quoi ça parle. Cette nouvelle vie a des avantages très séduisants. J'ai bien aimé, c'était l'histoire, du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Et à plus un petit prix, à 4,99€. Du coup, je me suis dit, c'est le moment de découvrir cette pipette. Voilà. Le week-end du 25-26, je crois, j'ai été au Luxembourg et je me suis trouvé ceci. Bon, c'est pas un roman, mais... si, c'est un roman, mais c'est autre roman. C'est Cartomanie. Le manuel indispensable pour apprendre à tirer les cartes et relire son avenir. Chez Hugo Poche, dans la collection Érotérisme. Voilà, je ne sais pas, c'est la première fois que je le vois. Ça a l'air pas mal. Voilà, il y a plein de trucs dedans. Je regarderai à ça. Et voilà, je n'en sais pas plus. Je ne l'ai pas encore. J'ai juste feuilleté pendant que j'étais là-bas. Donc j'attendais pour avoir à manger. Après c'est une série. J'ai pris complète comme ça je suis sûre. J'ai pris la série Off Campus. J'ai le tome 1. Le tome 2. Enfin je sais même pas si... Ouais, le 2, le 3 et le 4. Et j'ai vu qu'il y avait le 5 qui était sorti. Du coup je vous ai fait pas un résumé. On va suivre je sais même pas le nom. Des campus, enfin, et je pense celui-ci est dans, enfin vous l'avez pas encore vu et je sais pas si vous le verrez avant, du coup je vais rien dire, mais il va être lu bientôt celui-là. Voilà, après d'autres petites pépites, je vais faire ça parce que moi je sont trop loin pour moi là, les poches. On fait les poches d'abord. Je me suis pris le tome 2 de la sorcière aux champignons. C'est un manga chez Glena. Voilà. Ne me demandez pas le nom parce que c'est imprononçable. Moi et... voilà, je ne vais pas prononcer. Mais elle est très belle. On va suivre cette jeune fille qui... je ne me souviens plus trop. Il faudrait que je me... Non, c'est ça. En marchant, elle fait pousser des champignons partout. Et je trouvais les dessins agréables. Du coup, je me suis pris le tome 2. Que je vais essayer de lire bientôt. Je sais pas quand le tome 3 sort. Si vous entendez des miaou, des chats, enfin mon chat pleurer, il y a encore mon lunette qui me dérange, c'est normal, il veut sortir. Ah oui, j'ai pas marqué, j'ai pas mis ces deux là. Je suis en train de me dire, mais ces deux là étaient, je les ai pris aussi ce mois-ci. Ah, on va les prendre pour vous les montrer aussi. Je vous les cache, je vous les paierai après. Voilà. Après, je me suis pris. Je sais pas comment ça se dit, mais il me donne trop envie de le lire. Tu as fini, Monsieur Audi, de C.S. Queen. Voilà, c'était un plus ancien livre. Ça va parler de Las Vegas, si je dis pas. Audi, excusez-moi, mais il en met mon autre fille. De Las Vegas, de la tricherie, je pense. Du coup, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je fais ça, vous allez plus voir bientôt. Après, j'ai été chez mon ami qui a une boîte à livres près de chez lui. Et j'ai trouvé ce livre. Du coup, je me le suis pris. Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. C'est de
Joanne Boulouri. Je suppose que ça se dit comme ça, si je dis conneries, voilà. Par contre, je sais pas chez qui c'est. Pour moi, ça doit être Belgique Loisirs. Mais il n'y a rien de marqué. J'ai déjà regardé. Mais je vois pas de maison d'édition. Il n'y a que l'adresse. Du coup, je ne sais pas. Mais voilà. Après, bien sûr, il fallait que je me prenne les nouveaux de chez Hugo. Il fallait. Enfin, il fallait. J'avais trop envie. Et en plus, cette autrice, j'ai déjà lu et j'ai bien aimé. Du coup, je me suis pris l'un pour l'autre de chez Hugo dans la collection New Romance. C'est de. Et Noemi. Dani. Du coup, j'avais lu, je sais plus, c'est l'autre que j'avais lu d'elle. Et du coup, je suis trop fan. J'ai trop envie de lire un autre livre d'elle. Bastien n'avait pas prévu d'arriver en retard au mariage de sa soeur. Enfin, c'est mon chat qui est en train de faire. Quand l'amour bouleverse tout, qu'est-ce qui vous prêt à sacrifier? Sacrifier beaucoup de choses dans la vie quand on est amoureux. Après, j'ai pris de Erika Boyer, pile ou face. Il me semble gros celui-ci. Pile ou face. Je ne sais pas non plus. J'ai trop envie. Ouais, il fait 500 et des. L'amour éternel qui défile au début du temps. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Il a l'air pas mal. C'est chez Hugo dans la collection New Roman, comme toujours. Du coup, voilà. Après, je me suis pris un pavé. Je ne sais pas quand je vais le lire, mais j'ai trop envie de le lire. De Sarah Jimas, Crime City. Ils l'ont fait en poche. Je ne suis pas fan de le derrière, mais on va faire avec. Il fait plus de 1000 et des pages. Du coup, voilà. Et je me suis dit, allez, go. Et je vais essayer de me lire avant, là. J'ai vu... La suite, c'était incroyable, saga d'été 2022, un grand format, édition, ouais, voilà, en été 2022, voilà, mais j'ai trop envie de me le faire, voilà. Après, on va commencer par cela que je viens d'aller retrouver, voilà. Et du coup, je me suis pris le tome 2 de Tool Girl, que j'ai lu ici, vous allez en voir passer le tome 1 dans mon point lecture. Voilà, et il est plus gros que l'autre, mais je suis impatiente de le lire. Voilà, ça parle de roller. Je vous parle pas trop du tome 2 parce que voilà, mais le tome 1 était super. Celui-ci aussi, il me donne très envie et je pense qu'il va pas faire long feu non plus. C'est nombre 11 de Sarah G. Glossy. Voilà. Par contre, c'est la maison d'édition que je ne sais pas. Je suis pas sûre, c'est Rolove, je ne sais pas dire. Enfin, soit, il est trop beau. Ça va parler de basket. Pour échapper à son passé et se reconstruire, Slina quitte Lamberg pour s'intégrer à l'université de Bawang City sur le côte de la Californie. Mais comme continue de vivre après ce qui s'est passé, surtout après ce qu'elle a fait. Ouais. Quand on rencontre Jada Well, et elle a tout de suite sur le défensive, grand tatoué, soi-disant populaire, il a tout pour plaire à son déter. Après, il s'agit d'un basketteur et Sienna déteste, c'est la cause de ses nîmes, dans le genre qu'elle a dû abandonner mieux avant de rester loin de lui. Ouais, et ça va un truc avec le basketteur, trop beau, trop sexy, et elle peut pas craquer. Wow, on va voir ça.
Du coup, après, on va commencer par deux aussi qui vont ensemble. Du coup, j'ai pris Bad de Jacques Croix-Neuve. Je sais pas comment ça se dit. Voilà, j'ai les deux. C'est le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je dis pas de bêtises, c'est dans l'ordre. Normalement, c'est comme ça. Ouais, saison 1 et saison 2. Ouais. Du coup, ici, vous allez retrouver l'amour interdit, l'amour dangereux, l'amour coupable. Et dans celui-ci, vous allez retrouver l'amour immortel, l'amour invisiblement et Wamar Ben Sobai. Je ne sais pas son nom, le quatrième. Ben non, le sixième. Ouais, chez HarperCollins Poche. Ils sont gros, ils sont fameux. Mais voilà, ils vont être lus, je le sens. Après, j'en ai trois encore, la même collection, que vous voyez que je suis occupée à lire. Du coup, je vous montre dans l'ordre quand même. Le tome 1, Eros, que j'ai lu et que vous allez bientôt retrouver en point lecture. De Gabriel Cortin, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Le tome 1. Hop, le tome 2 que je suis occupée à lire, voilà, j'ai avancé hier soir. Et le tome 3, je sais pas, j'ai même pas dit les noms, mais c'est pas grave, vous voyez quand même. Storde, et là c'est Philosa, je crois que c'est comme ça, ça se dit. Voilà, j'aime beaucoup les couvertures, je sais pas pourquoi je le mets là, mais c'est pas grave. Après, j'ai été en France. Il m'en reste trois à vous montrer. On arrive à la fin. J'ai été en France et j'ai vu qu'ils avaient ressorti la couverture. Enfin, ressorti. Parce que la vraie couverture, il y a en reflet. Sauf que moi, je ne l'ai pas. Et c'est en prix découvert, 9,99€. Tirage limité. Du coup, je me suis pris. Je me dis, pour découvrir, pourquoi pas. À ce prix-là, ça passe pas. Trois pattes à canard, et c'est monsieur qui me l'a offert. Du coup, c'est la cour des ténèbres de Vampiria de Victor Dyssen chez quel est son R, je crois que c'est ça. Ouais, c'est la collection R. Voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça me fait un peu peur parce que voilà, les cartes et moi, c'est deux. Après, celui que je voulais absolument, je l'avais commandé depuis un moment, c'est celui-ci. Girl Serpentine Dove de la nouvelle collection chez Hugo, c'est Star Bus. Voilà. Ici, on va suivre une princesse. Parfois, c'est la princesse mortelle. Ici, on va suivre une princesse, c'est de Melissa Baradou, je sais pas comment ça se prononce. Si je me dis pas de conneries, il faudra que je le lise pas trop tard ici parce que heureusement j'ai un doute. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est la fille qui ne peut toucher, ne rien toucher parce qu'elle empoisonne tout le monde. Voilà. On sait pas plus. Du coup, voilà, c'est de la fantaisie. Pourquoi pas tester. Voilà. Et après, un livre que j'avais trop envie. J'avais un doute de me le prendre ou pas, mais je me le suis pris quand même. Je vais essayer de me lire ici pendant l'été. J'ai pris Vespertine de Bing Bang. Je crois que ça enfin, vous voyez le nom. Hop. Voilà, il est en reflet. J'aime beaucoup, je l'ai pris en hardback. Vous avez ceci sur les pages. Vous avez... C'est celle qui a écrit les deux là. Si vous savez... Celui-là, je l'ai dans ma palle que j'ai toujours pas lu. Et voilà le dessin sur le hardback. Il n'y a rien d'autre, mais il est très beau. Voilà, j'ai trop envie de me le lire aussi. J'ai un peu peur parce que voilà, il est beau aussi. Là. Voilà, j'ai un peu peur de pas trop aimer. Et voilà. C'est comme l'autre que j'ai pris l'autre fois. Je n'ai pas encore lu, mais il faudrait que je me bouche pour les lire. Voilà. Voilà, ben la palle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, la palle, mes achats. Dites-moi en commentaire s'il y en a un qui vous tente que je lise avec vous. Ça me pousserait un peu. Il faudrait que je regarde, mais j'ai envie de faire des. Lire avec vous sur internet si ça vous dit.
en live. J'ai envie de faire ça une fois, un jour au soir. Voilà, je vais essayer de voir avec monsieur si on s'est regardé à ça. Voilà. Ah oui, comme je l'ai, je pouvais le montrer aussi. J'avais acheté ça, je l'avais marqué, mais je ne l'ai pas trouvé tantôt. Je me suis pris aussi le Disney. Le cahier des vacances pour adultes, je teste et quiz Disney de chez Hachette et Ross le 2022. Il est trop beau. Vous allez retrouver plein de trucs dedans. Voilà. Là, vous avez un petit dessin. Là, vous avez des petits questionnaires. Ça se présente comme ceci. Je vous montre quelques pages. Voilà. Ça, c'est sur Zootopie. Vous avez plein de personnages. Là, vous avez un truc avec des quiz. Ce serait pas mal, ça, quiz. Connaître ses classiques. Dans Soul. Soul, je crois que c'est comme ça que ça dit. Quel est le numéro de l'arme que rencontre Joe dans la grande avant? 12, 22 au 23. Et répondez-moi aux questions. Dans Aladdin. Que doit être pour pénétrer dans la caverne aux merveilles? Un joyau de purée. Un rubis de bonnet, un diamant d'un sens. Je suis nulle. J'aime pas lire tout, c'est ça, ça s'entend, je crois. Voilà, vous avez des petits jeux de princesse. Ou celui-là, vous devez. Je sais même pas c'est quoi, mais trouver, je crois. C'est mes perles. Gust a ramassé toutes les perles qu'il a trouvées un peu partout dans la maison pour offrir à Cendrillon. Le bijou qu'il mettra en valeur le soir du bal. Mais qui dit perles à récupérer, collier? Ouais, il faut vraiment. Voilà. Et vous avez les réponses à la fin, si j'ai bien vu. Et là, vous l'avez l'affiche de là-haut. C'est trop bien. Je vais faire des trucs à ma copine. Elle est fan de là-haut. Je vais voir si elle est forte en là-haut. Voilà. Je vais faire ça une fois. Voilà pour tout ça. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire s'il y a un des livres qui vous plaît et que qui vous donne envie de lire avec moi. Ça me ferait plaisir. Et sur ce, moi, je vous laisse. Et on se retrouve pour le prochain vlog. Vidéo. Voilà, moi je vais tourner le point lecture maintenant. Je vous fais des gros bisous.